chicados del mundos. J'espère que ça va bien os. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tout ça, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je me dis pourquoi pas le faire sans casquette, parce que j'ai une chevelure magnifique. Et je me dis que bon, ok, d'accord, c'est le bordel chez moi. Ok, c'est, enfin, dans la gaming room. Parce que j'ai pas que ça. Hey, je suis youtubeur, merde. Je gagne de la YouTube money, hein. 1€ par vidéo. Quand ça fonctionne, genre les lives de grenier, sinon après j'ai plus rien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour Chicanos del Mundos. En fait, là, vous m'entendez un peu mieux, je pense. Parce que là, je suis avec le micro. I have macro, macro, drop. Non, il coûte 80 balles quand même. Hein. Donc, on va le mettre, voilà, sur le mug. Voilà, mais tu le vois pas. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un HL2 Special Simpson. Wouh! Alors, on va commencer par l'Xbox. Wouh! Xbox XBM, Xbox BMW, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est le voisin. On dit, Apollo, regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce que tu peux, voilà. Et je dis, bah pourquoi pas. Voilà, donc voilà, cool, super. Cool. Merci aussi à Demon Soul. Non, c'est pas Demon Soul, mais c'est un petit truc là, vite fait. Je sais pas si tu vas bien voir, on s'en fiche en fait. Mais c'est un truc spécial. Voilà, c'est un petit portefeuille Simpson. Super bien. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, c'est un cadeau par rapport à la convention, à ma convention. Donc ça date un petit peu, mine de rien. Demon Soul m'a donné ce petit livre. C'est quelque chose de, voilà, les secrets de la célèbre famille d'Amérique, les Simpson. C'est très littérature, c'est psychologie, c'est des trucs. C'est, moi je suis con, donc je peux pas, voilà. J'ai commencé à lire, franchement c'est bien, même si il y a 300 pages, 200 pages, 350 pages, c'est mon livre de chevet tout simplement. J'ai acheté une petite batterie pour Canon. J'ai trouvé ça, j'ai dit cool. Non, je déconne, en fait je l'avais, mais je sais pas pourquoi elle est là. Je me suis acheté de la pâte à fixe pour fixer les figurines Simpson. Oui, c'est le bordel, c'est pour ça que il faut vraiment que je me bouge le cul. J'ai acheté une, alors celui-là par contre il vient juste de sortir, je suis assez content, c'est le tome 33 si je me trompe pas, je vais dire des bêtises, oui 33. Il est sorti début mai si je me trompe pas. Les Simpson festin de minuit, j'ai payé 10,60€ à... À la Fnac. Et à la Fnac, j'ai aussi été étonné de voir que il y avait aussi celui-là. Voilà, je sais pas si vous voulez vraiment bien le voir avec le soleil, voilà, on s'en fout. C'est les Simpsons Super Colossal volume 1. En fait, si je me trompe pas, je sais plus, mais je crois que ça regroupe le 1, le 2 et peut-être le 3. Je sais plus, je vais dire des bêtises. Alors, je l'ai pas encore lu, donc faut mieux pas que je vous le dise, que je vous dis que ce que c'est ou que c'est. Voici une nouvelle édition des meilleures histoires des Simpsons, pour les plupart inédites en France. Bon, on s'en bat les couilles. Je crois qu'il y a deux volumes et j'ai pas le deuxième volume, et c'est dommage. C'est un hors-série, donc voilà, c'est vrai que c'est chaud de trouver des hors-série. Donc celui-là, je l'ai fait. Celui-là, pareil, on me l'a passé. Non, celui-là, en fait, je l'avais acheté. Pourquoi il est là? Je l'avais acheté dans un vide-grenier. Bon, bah, on va commencer par... parce que j'ai acheté sur eBay. Alors j'étais sur eBay, la première fois de ma vie où je vais sur eBay, où je me dis bah tiens, je vais quand même acheter des petites choses sur eBay, et je me suis retrouvé avec pas mal de conneries achetées, et vraiment pas mal de conneries, surtout à des prix un peu what the fuck des fois. Bon, c'est des bons petits prix quand même, mais c'est vrai que bah c'est des prix eBay tout simplement. On va commencer par celui-là avec un petit mot. Bonne réception à plus David. Et bah David, j'ai reçu ton petit colis, je t'aime, même si je te connais pas, je t'aime quand même. Je lui ai pris des cartes qui datent de 2000, des Simpsons sous blister tout simplement. Donc je suis assez content, voilà, des petites cartes Simpsons sous blister. Nique ta mère. J'en avais déjà qui n'étaient pas sous blister. J'avais aussi la pochette. Il y a une pochette autour plastique, enfin un truc où tu mets bah, des cartes. Ça je l'ai, par contre j'avais pas les cartes complets. Donc au moins là c'est complet. J'ai dû payer ça 1,50€ si je ne me trompe pas. On va continuer par un truc totalement débile, mais bon, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. C'est pas du français, si je me trompe pas, c'est pas du français, mais on s'en bat les couilles. Ça date de 2006, c'est des crayons à papier, voilà, des crayons à papier Simpson, bah pourquoi pas, écoute, hein. Voilà, et encore, c'est pas plus, le plus débile à acheter. Mais voilà, quand t'es fan de Simpson, t'achètes beaucoup de merde. C'est quoi ça? Ah oui, alors ça, je l'ai pas ouvert, mais merci à toi, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf. Mais c'est elle que j'avais acheté aussi ça. Donc, elle est bien protégée, donc ça c'est cool. C'est un set encrier si je me trompe pas. Je vais dire des bêtises, donc ouais, c'est, non, c'est, oui, je sais pas. Oui, bon, c'est un truc avec un crayon, avec un stylo et tout le tralala.
Donc ça coûtait 5 livres à l'époque quand même, mine de rien. Je crois que je l'ai payé le même prix. Oh putain, je me suis fait arnaquer par eBay. Je vais faire une vidéo. Les top 3 de ce que je me suis fait avoir sur eBay. Donc non, je suis assez content de pouvoir le posséder. Ça date de 2006, mine de rien, ça a plus de 10 ans hein, ce genre de merde. On va continuer par quoi ? Parce que là, il y a quelque chose qui est lourd. Et ce n'est pas Tata Yo-Yo. Alors, ici, ah oui, alors si, c'est une petite figurine de Bart Simpson que j'ai payé 2€. Je vais vous mettre la petite image. Et ben, je trouve ça vraiment très, 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 très cool. Voilà. C'est fait par Vivid Imagination. Vivid Imagination, je pensais que c'était un truc de cul, mais en fait, non. Et je suis quand même assez content de pouvoir la posséder. Elle est vraiment très, très belle. Il n'a que Bart, malheureusement. Donc, c'est dommage. Mais sinon, voilà, sous blister. On peut dire ça comme ça. Sous blister. On a quoi d'autre? Oui, je vais très vite hein, parce que voilà c'est des jouets quoi, c'est pas voilà quoi, enfin c'est de la collection hein, donc non mais voilà c'est de la collection, donc c'est vrai que je pourrais pas, voilà c'est pas comme un jeu vidéo ou quoi que ce soit. On va ouvrir un carton avec une pince coupante, ouais c'est la nouvelle mode, pourquoi pas. Hop ouais je suis trop fort, hop les voilà. Ici, qu'est-ce... Merde, il y en a de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Ah, oui. Oui, oui, oui. Un petit Bart. Alors, est-ce qu'il y a un mot? Il n'y a pas de mot. On va pas envoyer de mot. Alors, ici, c'est le petit Bart qui date des années, je sais plus combien, 2000 et des patates, si je me trompe pas. 1997. J'ai dit totalement des conneries. Donc, je suis assez content de le posséder parce que celui-là, quand même, je l'ai... Enfin, je le vois tout le temps sur eBay, un petit peu cher. Je le vois à 15-20 balles. Et là, j'ai dû payer 7€, si je me trompe pas. Hop, je vais vous mettre une petite image, une petite vidéo et tout. Et je trouve assez sympathique. Tête assez dure. Voilà, tout est en dur. Petite figurine assez sympathique qui tient debout en plus. Donc, c'est cool. Oui, parce qu'on ne sait jamais, mine de rien, avec le temps, malheureusement. Ouais, donc de 97. Donc, voilà, 7 balles, je crois. C'est un petit peu cher, je trouve. Enfin, il y en a qui vont dire, oh, Polo, c'est cher. Mais non, ça va, il y a pire. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons un petit... Alors, bonjour et bonne réception cordialement. Aïe. Donc, ici, nous avons un livre qui est assez dur à trouver. Il coûtait, à l'époque, 20 balles quand il est sorti. Je l'ai acheté sur eBay. 15€, je crois. Je crois que je l'ai payé 8€ et il y a 7€ de frais de port. Alors, c'est quand même quelque chose qui est, pour moi... Voilà, enfin, c'est... C'est quelque chose de... Voilà, je kiffe ce genre de choses-là. C'est pas très très rare, mais c'est assez dur à trouver. En fait, c'est Matt Groening, si vous voulez, c'est Futurama et les Simpsons. Et en fait, bah, tout simplement, ils ont mélangé un petit peu les deux. Ils ont appelé ça la crise multiple. Et dedans, en fait, vous avez un énorme bouquin. Mais quand je dis un énorme bouquin, ça fait... je sais même pas combien... Putain, on dirait qu'il l'a même pas fait. Oh my goodness, merci ma poule. Parce que ça, j'étais pas sûr à 300%. Ouais, je crois que c'est celui-là. Il m'a mis en plus, si je me trompe pas, le premier numéro collector, les Simpsons Comics. Voili voilou. Alors, le voici. Donc, je suis quand même assez content de pouvoir... Ça, si je me trompe pas, c'est une réédition. Hein. Si je me trompe pas, ça, c'est une réédition de ce qu'ils avaient fait. Parce que les comics Simpsons datent des années 2000. Les vrais comics Simpsons. Mais c'est toujours fait par Bongo. Je l'ai payé quand même 15 balles, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir l'univers des deux, les Futurama et les Simpsons. Et surtout dans un packaging, de base il coûtait 20 balles. Hein. Je sais pas si c'est marqué, non c'est pas marqué, mais de base il coûte 20 balles le truc quand même. Voilà, donc je suis quand même assez content, c'est pas souvent qu'on a ce genre de... De coffrets Simpsons, il y en a pas beaucoup, il y en a vraiment pas beaucoup hein. C'est, il y en a peut-être 2 ou 3 grand maximum des coffrets Simpsons ou du Simpson avec Futurama. Le côté Futurama, tu vois, et le côté Simpson avec tous les personnages de Simpson. Non, ça franchement, je suis hyper content. Mais attention, je suis encore un peu plus content parce que là pareil, j'ai dû payer ça 7-8 balles si je me trompe pas. Par contre, les frais de port, elle m'a pas enculé, mais c'est vrai qu'elle l'a mis dans un carton et tout. Elle m'a dit, ouais, je vais le mettre dans un tube. Et bah, il est où ton tube? Tu peux le foutre dans les fesses, le tube. Donc bref, qu'est-ce qu'on a? Oui, wouh, on a des cartes à jouer de 2012 de Simpson. Et bah, pourquoi pas. Voilà, 54 cartes à jouer. Et je suis un petit peu content parce qu'ils sont sous blister. Oh mon dieu, Polo et les blisters. Alors c'est bizarre parce qu'en fait les blisters Simpson, franchement je suis un gros fada. Après les blisters des jeux vidéo, bon c'est sûr que si tu trouves des blisters Super Nintendo ou NES, tu serais en train de bander. Bon, si tu trouves un blister PS1 Final Fantasy, attention parce que je sais ça coûte hyper cher hein. Alors je
me faire taper sur les doigts, hein. Mais j'ai déblisté un Final Fantasy 7 ou 8, non 8 ou 9, je sais plus, parce qu'il était blisté officiel et puis que bah je m'en fous, voilà, je sais que ça coûte, oh, j'aurais pu le revendre super cher, tu vois, mon dieu, donc bref, on va revenir à nos moutons et à Simpson, et j'ai pu dégoter ceci. C'est tout simplement. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, je suis assez content. Je demandais mieux, mine de rien, donc je vous dis, je l'ai payé 7 balles. Donc je suis assez content. Voilà. C'est quelque chose qui peut trôner vraiment dans ma gaming room, ce genre de choses-là. Dès que j'ai vu, j'ai voulu acheter. Alors bon, voilà, je me suis fait passer et j'en parlerai un petit peu dans une, peut-être dans une autre vidéo, même tout de suite. Il y avait pour 15€ 67 comics Simpsons. De l'époque 2000 à 2000 et des patates, c'est des trucs qui sont pas très rares mais qui sont durs à trouver mine de rien. Et les 67 comics Simpsons, c'était 15€. Sachez-le, un comic Simpsons sur eBay, c'est déjà minimum 1 balle. Donc minimum, quand je dis minimum, c'est minimum. Donc j'avoue que me faire passer cette enchère, parce que je suis un gros con, et ça fait mal, parce que franchement, pour retrouver les comics Simpsons, ça fait vraiment mal pour... voilà, ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Oh, ça fait mal de pas avoir les comics Simpsons. Oh yeah. Bon bref, voilà, c'est terminé pour nous. Non! What the fuck? Waté? J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose de ouf. Ouf. Ils sont ouf. Ils sont... Putain, il faut que je ressorte cette musique de merde. Voilà. Je me suis acheté des chaussures Simpson. Des chaussures Wall Again to Beast to Fly Simpson. Wall Again to Beast to Fly. Des chaussures. Mais attention, attention, pas n'importe lesquelles. Pas n'importe. Alors déjà, Converse. Moi je parle pas de cette marque parce que je la connais pas. Enfin je la connais mais je suis tellement pauvre que voilà. Je suis obligé de faire la manche pour pouvoir m'acheter des chaussures Simpson. En plus, même pas à ma taille. Les chaussures Simpson, voilà. Les chaussures Simpson, c'est du 22, mec. C'est du 22, appelez les keufs. C'est dans ou du 23, je sais plus. C'est du 22. J'ai acheté des chaussures Simpson du 22, voilà. Je... Ah oui, alors aussi, il y a des billets de 50. Mais bon, ça, c'était ma planche. Donc voilà, vous allez sûrement voir ça en vidéo. Mais des chaussures Simpson qui sont pas neuves, malheureusement. Qui sont pas neuves, malheureusement. Mais c'était un petit délire. C'était quoi? En tout, 18€ en achat immédiat. La meuf, elle avait mis ça à 17h. Et à 17h01, Polo, elle est ville. J'achète accoucheteur positif. Ah putain, j'arrive pas à parler. Acheteur compulsif, putain, voilà. Acheteur compulsif pour des chaussures Simpson, voilà. Qui sont même pas à ma taille. Mais voilà, c'est vrai que les chaussures Simpson sont assez chauds à trouver. Surtout ceux grand pied. Il y a pas mal d'éditions. C'est tombé. Il y a pas mal d'éditions et c'est vrai que c'est un peu chaud à trouver à un prix raisonnable. Voilà, c'est du 22, c'est un truc à l'arrache. Ça a été payé 34€ à l'époque. Je les ai payés 20 balles, 18. Ça me suffit quoi. Ils sont pas toutes neuves, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est du Simpson, ok. Alors m'énerve pas. Mais moi je m'énerve aussi, hein. Non mais attention, hein. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez, au pire ça je m'en bats les couilles. Enfin, là sur cette vidéo c'est one shot, donc c'est pas du montage complètement what the fuck. Donc voilà, tu fais ce que tu veux, ok. Donc, j'espère que ça vous a plu. Demain c'est les vides greniers. Et puis on s'en fout. Allez, je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas, protégez-vous, ne faites pas mort. Ciao. C'était quoi ce ciao de merde?